vaut, il s'en vaut. Faut juste que j'arrête de penser à lui, à son départ définitif. C'est fait maintenant. Les histoires se ressemblent quelque part ou ailleurs. Un autre que moi me. Pourquoi donc? Pourquoi quoi? Pourquoi te laisser rentrer quelqu'un d'autre dans ta vie? Tu ne me l'as jamais vraiment dit. Au café d'une plage, silhouette qui efface le temps perdu et réveille encore et toujours l'étincelle quand tu t'en iras. Sous silence, laisse-moi l'illusion d'une chance quand tu t'en iras. Quand tu t'en iras. C'est fait maintenant. Allez, Julie, passe à autre chose. Quand tu t'en iras. Aujourd'hui, là, je vais faire le ménage de tes armoires. Ils en ont besoin, les tablettes sont collantes. Maman, là, t'es pas ma femme de ménage, arrête ça. Ah oui, faut bien que j'occupe mes journées. Fais autre chose de plus valorisant. Je veux bien, mais quoi, hein? Tiens, une offre d'emploi qui serait parfaite pour toi. Ah oui? Tenue de livre dans une animalerie. Ah! Ah, mon Dieu, bon, donc, voir. J'ai toujours aimé les animaux, moi. Tant que ça. Ah ben, voyons, moi, sur la ferme... C'est toujours moi qui s'occupais des chevaux et des chiens. On n'a jamais eu à la maison à cause des allergies à Théon. Ah, wow! Ouais, ce serait plaisant, ça. C'est pas comme préposé aux animaux, là, c'est à l'administration. Oui, mais quand même. Pars pas en peur trop vite, OK? Y a peut-être bien des candidats. Ah, ben, c'est ça. Décourage-moi donc tout de suite. Fais attention à Théo puis tes bas, hein? Regarde, je t'attendrai pas de temps. Je vais y aller cet avant-midi. Non, mais attends, ils disent de poster les candidatures. Rien mieux vaut que de se présenter en personne. Hey, toi qui voulais plus rien savoir, t'es dur à suivre. C'est cher, hein? Je vais pas décrotter tes armoires pour le restant de mes jours. T'as qu'à ça. T'as bien l'air essoufflée. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Des ébats? Non, rien qui ressemble à ce que tu penses. Dommage pour toi. Je réaménage le chalet un peu. Encore? Il me semble que tu viens juste de faire des rénovations. Ouais. Là, je me change les idées en brassant les affaires autour de moi. Ah, ben, chacun son truc, hein. Moi, ce serait plutôt une bouteille de scotch. Ça fait moins mal au dos. Ouais, mais pas pour le foie puis pas pour le reste. Non, mais je sais, bon, je résiste, là, je suis une bonne fille. C'est difficile. Ah, je suis complètement obsédée. Non, ben moi aussi. C'est aujourd'hui que William s'en va. Ah, mon Dieu, grosse journée. Pourquoi tu viens pas faire ton tour? Ah, je vous ai pas te le demander. T'es sûr que ça te dérange pas? Oui, de toute façon, si tu viens pas, moi, je vais me mettre à abattre les meules du chalet.
OK, j'arrive, là. Merci, hein. Ça fait que moi, là, m'être pogné pour choisir entre mes deux gars. Je peux rien faire d'autre. Et? Ben ça, ça veut dire en flocher un. Vous en congédiez pas un? Vous offrez un emploi à l'autre? Ben oui, mais ça revient au même, franchement. Pas exactement. Ben, dans ma tête à moi, oui. Je vois pas ces mots, là. Hein? Veux, veux pas, il y en a un que je vais être obligé d'exclure. Ça va être lequel? Oh. Tu sais, c'est sûr que ça serait une bien bonne job pour Geoffroy. Là. Il va plus à école, lui-là. Là. Mm. Puis c'est le plus vieux, tu sais. Un genre de droit d'aînesse. Ouais, un peu. Mm. Ouais. Puis il est plus sérieux aussi, il est plus responsable. Donc plus compétent. En tout cas, ça l'arrangerait en maudit une job comme celle-là, là, tu sais. Mm. Mais c'est pas un emploi à temps partiel, ça? Ouais, ben justement, il y a ça. Parce que Théo avec, ça l'arrangerait. Puis lui, en plus, t'sais, il pourrait organiser ses horaires en tenant compte de ses cours. Mais vous? Quoi, moi? Mais vous me parlez des besoins de vos gars, mais les vôtres? Ah, moi, mes besoins... Moi, j'ai besoin d'un employé, c'est tout, là. Un ou l'autre, c'est égal, là. Vraiment? Oui. Moi, tout ce que je veux, c'est voir à qui ça va rendre le plus service, là. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Je suis pas sûr de comprendre votre question, là. Vous devez bien avoir un coup de cœur. Vous êtes tellement occupé à répondre aux besoins des autres que vous vous oubliez là-dedans. Quoi, c'est une faute, ça, là? Non, je cherche pas de faute ici. J'essaye seulement d'éclairer votre mécanisme de choix. Oh oui, mais c'est ça, mais c'est un défaut pareil, c'est ça que vous me dites, là. Hein? Je reprends ma question. Votre besoin dans cette situation, c'est quoi? Ben, moi, je veux pas faire de jaloux puis je veux pas de chicane. Ça, c'est encore envers les autres. Pour vous. Mais je vous le dis, moi, je m'accommode très bien avec les deux, là. Je repose la question. Que désirez-vous, vous? Ah, écoutons, sacrement, on va-tu passer l'heure là-dessus, là? Franchement, j'aurais jamais dû vous parler de cette niaiserie-là, moi, là. C'est pas une niaiserie, puisque ça vous préoccupe. Ouais, on va te tirer ça à pile ou face. Moi, tu m'as réglé ça, ce sera pas long. Tu vas voir, on n'en parlera plus. Hey. Tout ça pour vous dire que vous avez un neveu et que j'ai un petit-fils. Ah, mais c'est bien hot! Comment ça se fait qu'on n'a pas su ça du temps de Lambert? Parce qu'il voulait rien savoir du bébé. Puis à ce qu'on a su, il refusait la paternité. Pourquoi? On pourrait faire beaucoup d'hypothèses, mais on le saura jamais. Lambert est pas là pour nous le dire. Justement, qui nous assure que c'est vraiment le fils de Lambert? On le sait. Victoria aurait jamais révélé son secret s'il avait pas été découvert par Olivier. Olivier? On est très peu qui savent. Il y a votre grand-père, Brian... Olivier pis Théo. Je suis tellement niaiseuse. Quoi? Et comment j'ai fait pour pas me douter d'être ça? Ces deux-là transformés en babysitter, j'aurais dû allumer tout de suite. En tout cas, là, on le sait tout le monde. Maëlle. Elle. Elle sait aussi. Fait que je suis mon oncle. Eh oui. Ah! Puis là, il arrive quoi? Ben, on va essayer de les rencontrer puis de tisser des liens. Tu t'en vas, toi? Tu seras pas là? Vous autres, oui. Puis je vais revenir. Je suis pas parti pour toujours. Je peux pas croire que Victoria Mayer est un genre de belle-sœur. Arc. T'exagères pas un peu, là, Ingrid? On est obligé de la rentrer dans la famille, pas? Ah, t'es bien poche. C'est vrai! En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Moi aussi? Bon. Il ressemble-tu à Lambert? Ben, je l'ai pas encore vu, mais il semblerait que oui. Si vous écoutiez seulement votre impulsion? Ben, c'est sûr que ça pourrait être le fun de travailler avec Théo. T'sais, je veux dire, ce serait comme l'occasion de pouvoir me rapprocher de mon gars. Donc, sur le plan affectif, ce serait plus gratifiant pour ben, vous? Là, franchement, il n'y a pas rien que ça dans la vie, là, le plan affectif. Là. Ah non, quoi d'autre? Ben, il y a quelque chose qui s'appelle le sens des responsabilités. OK? Oh. Non, wow, je le sais. Vous allez me dire que je suis trop responsable, c'est correct, j'ai compris. Non, mais mon avis compte pas. Le vôtre, oui. Ben c'est ça. Moi, si j'écoutais juste mon envie, là, puis rien d'autre, là. Ben, c'est évident que j'aimerais mieux travailler avec Théo. Puis pas parce que je m'entends mieux avec lui, au contraire même. Ce serait plutôt le contraire, en fait. On se pogne assez souvent ensemble, t'es assez bavule, tout sacrement. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est un peu perdu de vue dernièrement, puis il me semble que ça compenserait.
par culpabilité. Non, 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 c'est juste que ce serait plus fun de travailler avec, non? Ben alors, vous l'avez, votre réponse? Ben oui. Pourquoi on va là? Ça me tente pas en tout, là. On peut être assez fier de son commerce, on aurait pu. Je l'ai déjà vu plein de fois, cette boutique-là. Pas depuis qu'il est propriétaire. Arrête donc de chialer. Non, vas-y tout seul. Moi, je vais aller me chercher une job. Hey, pas question. Tu viens avec moi. Ah, ça va lui faire plaisir. Ça fait au moins trois fois qu'il me demande. OK, pourquoi il insiste à temps? C'est la première chose positive dans sa vie depuis longtemps. Il n'y a pas besoin de nos encouragements, franchement. T'es pas sûr de ça, moi. Je le sens pas fort, le père. Ben, il est pas en dépression, quand même. Non, mais il consulte une psy, c'est pas pour rien. Merci. Qu'est-ce que tu fais en taxi? Je suis passée devant le juge. Le permis de conduire a été suspendu. Ah. Ouais. Là, t'aurais dû me le dire au téléphone. J'aurais pas allé te chercher à Granby. Oh non. Je veux pas que tout le monde soit pénalisé à cause de moi. On peut s'ajuster quand même. Mais je suis contente d'être ici. On a mille choses à se dire, toi puis moi. C'est pas pareil au téléphone, hein? Non. Des nouvelles de la dame? Non. Je sais pas trop quoi faire. Ben, attends encore. C'est insupportable. La famille est très secrète. Y a pas moyen de rien savoir sur elle. As-tu faim tout de suite? Non. On va aller sur le bord de l'eau un peu. T'as le donne. OK. C'est de l'eau pétillante. J'ai pas bu une goutte d'alcool depuis l'accident. Wow. Puis c'est pas évident. Je tiens bon, mais franchement, c'est fragile. Je réalise comment c'est un problème pour moi. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Toi, tu le savais, hein? Oui. En fait, tout le monde le sait que j'ai un problème d'alcool sauf moi, c'est ça? Ça ressemble un petit peu à ça. Bon, c'est... C'est la commande qui est en retard, ça? Oui, mais tout est en ordre, là. Ben, j'y ai passé tout un savon, le gars, il a baigné, c'est pas bête. Et t'aimes ça faire peur au monde, hein? Ah, le monde en perd à rien. Oui, on va dire. Parlant de ça, j'ai décidé de mettre mes démarches d'ADN pour le bébé de Lambert sur la glace. Bon, enfin! Mais j'ai pas complètement tiré la plug sur le recours judiciaire, voyons. Il me semblait bien aussi. Alors, je vais voir comment ça va évoluer, là, les supposés beaux rapprochements. Les gros doutes, par exemple. Le Victoria rencontrait pas, là, c'est elle qui a ouvert la porte. Là. Elle va vous rencontrer quand? Ah non, mais pas voulait les voir avant de partir, mais ça la donnera pas, là. Tu vois? Non, mais c'est pas seulement de sa faute à elle. Je sais, papa, il avait pas bien ben le temps non plus, là. Donc? Ben, maman va organiser ça bientôt, là. Julie? Ben oui. Oh, bon, attendez un peu. C'est plus prudent. Elle était tellement méfiante. Dans, quand tu seras rendu à mon âge, tu comprendras que la nature humaine est bien décevante, des fois. Ouais. Vaut mieux prendre des précautions. Ouais. T'attends quoi, là? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Fait que... il est venu me dire qu'il voulait prendre ses distances. Wow! Les résultats de tes grands travaux? Comment tu trouves ça? Faut que je m'habitue. Ouais. Moi non plus, je suis pas certaine. Bon, je pense que je vais remettre tout ça comme avant, finalement. Non, attends un peu, on va peut-être se faire. Oh. Alors, comme ça, Étienne qui prend ses distances. Décidément, tout le monde se soigne. Pourquoi tu dis ça? Ben là, parce que j'ai jamais été capable de décrocher de toi. Même après toutes ces années-là, puis malgré tes rejets, là, c'est à peu près le temps qu'ils comprennent. Je l'ai pas rejeté tant que ça. OK, c'est vrai, mais je trouve qu'il fait ça à un bien mauvais moment. Au contraire, c'est peut-être le meilleur timing. Bon, salade grecque, panini au poulet, ça te tente-tu? C'est excellent, ça. On mange ça en dedans, dehors? En dedans. William est venu hier. Ah oui? Mm-hmm. Il a daigné t'accorder un peu de son précieux temps? Mm-hmm. C'est passé quelque chose, tu l'as décrit dans le visage. Ben, presque rien, là, mais ça m'a viré à l'envers. Puis, quand il est parti, ben, j'ai allé le reconduire à son auto. On a parlé de Lambert. Puis? Puis il m'a serré dans ses bras. Est-ce qu'il t'a embrassé? Non, non, juste serré dans ses bras, mais... c'est tellement bon. Des cris, c'était... c'était amoureux, c'était chaleureux, c'était fraternel, triste.
Non, c'était... Mais nostalgique, là, puis peut-être un petit peu amoureux. Mais en fait, je sais pas pantoute. Mais j'aimerais ça que ce soit amoureux. Puis toi? Mais moi, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais tellement ça qu'il reste, mais bon. Il part. Wow, il y a pas mal de stock là-dedans. Oui, mais ça qu'il y en a du stock. Vas-tu pouvoir avoir des bons rabais? Espèce de chamol. Tout de suite, il voit son intérêt. C'est quoi? J'aime ça à la chasse. Ben, je demande rien, moi, pour la pêche. C'est correct, c'est beau, inquiétez-vous pas, là. Vous allez avoir des bons prix tous les deux. Ouais, faudrait avant qu'on ait quelque chose dans nos poches. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, ben, on va te laisser à tes clients. Tu veux pas prendre un café, quelque chose? J'ai pas trop le temps, là. Je vais passer au centre d'emploi, là, avant qu'il y ait trop de monde. Ah ouais, comment ça va, de ce côté-là, là? Pas de diable. C'est presque décourageant, mais bon, faut pas lâcher. Mais là. Puis toi, tu restes-tu? Faut que j'aille au cégep pour valider mes choix de cours. Ah ouais, ça va être de recommencer, ça, là, hein? Ouais. Ben, salut. Hey, c'est vraiment trippant. Ouais. Allez-vous passer à la maison pour souper, hein? Ah, ça se peut, ouais. Ben, je vais t'appeler si je viens. C'est beau. Salut. Salut. Puis? Puis quoi? Ben, comment t'es trouvé? Ils sont pas restés longtemps. Ben, des bons petits gars, ça a l'air. Ah oui, ah oui, ah oui. Lequel tu prendrais, toi? N'importe quel. Ouais, mais lequel qui t'a paru le meilleur, là? Ben, dur à dire vite de même. Ben, le plus motivé, disons, là. Tu m'as pas dit en entrant que ton choix était fait? Oui, mais là, les avoir tous les deux devant moi comme ça, là, c'est devenu bien mélangeant d'un coup, là. J'ai pas d'opinion. Ah, ça, t'as pas d'opinion. D'habitude, t'as une opinion sur tout, toi. Ben, le plus vieux m'a l'air un peu plus solide, un peu moins foufou. Moi, c'est moins foufou. Théo est pas foufou pas en tout, ça. Fais donc ce que tu veux. C'est toi le boss. Moi, de toute façon, des recrues, je les mets à ma main, c'est pas une traînerie. Ouais, mais attends que je vais faire ce que je veux. Regarde-moi bien aller, mon homme. Hey! Mais c'était clair. Dans quoi? Ben, as-tu dit clairement que tu voulais qu'il reste? Ben non. Pourquoi pas? Parce que sa décision est prise depuis longtemps. C'est bien bizarre, toi. Pourquoi tu dis ça? Ben, il me semble que t'es pas raccord. Dans ta vie professionnelle, t'es une battante, t'es une négociatrice redoutable. C'est quoi le rapport? Ben, dans ta vie privée, tu regardes souvent la parade passer. Moi, ça? Ben oui, tu fais rien, tu restes passive. Mais oui, mais il part ce soir. Sa décision est déjà prise, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je sais pas, moi. Trouve quelque chose. Bats-toi. Mais oui, mais il y a rien à faire. Il m'a quand même pas à me garocher pour l'empêcher de partir, mais en voilà de quoi. Non, ouais, tout se met de rester ici puis de brailler toutes les larmes de ton corps pendant les 12 prochains mois. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Quoi que je fasse, ça marchera pas. Pourquoi pas? Parce que William a choisi. Je le connais assez pour savoir que quand il a choisi, il revient pas sur sa décision. Bon. Peut-être raison. C'est sans doute ça ton chemin maintenant, sans William. C'est ce qui t'attend. Tu vas peut-être retomber amoureuse, toi aussi. Je suis déjà en amour. Pauvre cocotte. Bon, je vais aller chercher un peu d'eau. Lâcher prise ou se battre, comment on fait pour savoir quelle est la meilleure avenue? Ça dérange? Non, non. Je m'en vais au cimetière. Je me demandais si tu voulais venir. Je sais pas trop, là. Ça va-tu, Fredo? Ouais, ouais. Je suis fou, ben, il me semble que depuis quelque temps, tu m'évites. Mais non. C'est moi qui se fais des idées, d'abord. En fait, non. Bon. Vas-tu acheter mon billet d'avion pour l'Allemagne? Pas encore? Ah. Pourquoi? Pour rien. Ah ouais, Fredo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que finalement... C'est une super bonne idée que je sois avec toi, mais je... Mais préfère... t'as plus le goût de déménager à Munich. C'est ça? T'as deviné? Mais oui.
je comprends. Ah ouais? Ça te bouscule trop, tu trouves ça trop vite, hein? C'est ça, c'est... j'aimerais mieux attendre, finir mon secondaire 4 ici. OK. T'es pas choqué? Ben non, voyons. Mais je pourrais aller te voir, par exemple, pendant la semaine de relâche, tiens, je... Très bonne idée. Je te souhaite à l'avoir full de peine. Je vais m'ennuyer de toi, en tout cas. Moi aussi, pas. Fais-toi grand pas avec ça. C'est bien beau. OK. OK. Maintenant qu'on s'est rencontrés de même, là. C'est bizarre, hein? Hein? Ouais, mais pourquoi tu m'as acheté des fleurs? Ben, pour toi. Ta convalescence. Ah, ben merci, c'est super gentil. Ben, je vais laisser au concierge en bas, mais quand j'ai vu ton taxi arriver... Je suis super contente de te voir. J'ai eu une idée. Quoi? Tu sais, l'autre fois, quand tu m'as parlé d'un voyage dans le sud, là? Ah, oh, ben oui, mais... c'est passé bien des choses depuis, hein? Pourquoi qu'on le ferait pas? Même que c'est moi qui t'invite. Hein? Ben oui, j'ai des économies, là, je m'occuperai de tout. Tu vas juste me dire quand t'es libre. Tu es aujourd'hui? Ben là j'ai quand même mon travail au gym, là, mais... qu'est-ce que tu dirais de samedi? C'est bien excitant, ça. Ben oui. Ça me tente. Lis la carte, c'est ça que je te ferai avec les fleurs. T'es bien cute. T'es presque aussi fin que ton père. Ben plus. C'était Ingrid, elle voulait savoir où on était. Ça va pas? Ça fait longtemps que t'étais pas venu ici, hein? Ouais. Ça va prendre un bout de temps avant que je revienne. Ouais. C'est pas facile. Quoi? La situation, mon gars. Tout ce qui nous arrive. Mais, hein? Je trouve ça tough en maudit. Je veux que tu saches, mon Fredo, que... je trouve ça bien difficile de partir. Ah ouais? Tu penses que je vous laisse derrière le cœur léger? Non, mais... je suis complètement déchiré. C'est probablement une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire de toute ma vie. Je pensais que tu étais heureux avec ta nouvelle vie. Non, je suis aussi, mais... quand je regarde tout ce que je laisse derrière... c'est trop difficile. Reste d'abord. C'est pas si simple. Tu peux faire tout ce que tu veux, toi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je subis vos décisions, tandis que toi, t'es un adulte. Tu choisis. D'une certaine manière, t'as raison, mais... mais quoi? Rien. Il dit que Lambert va veiller sur vous autres pendant mon absence. Puis qu'il va veiller sur moi aussi. Non, c'est là que tu te caches. Hey, on va se faire des étagères ici, tu penses pas? C'est de l'espace perdu pour en avoir besoin. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça. T'en occupes? Oui, tout à fait. Good. Oh, grand-père? Oui. Tu te souviens que papa part ce soir? Bien sûr. Bon, mais on va se faire un souper. Es-tu né? C'est gentil à toi de m'inviter. William, il avait même pas pensé, lui. Je le fais, là, moi, là. Viens donc. OK. Je m'occupe du vin. Parfait. Mais ta mère sera pas là. Non. C'est quoi les arrangements avec elle, là? Ah, oh, ben, elle revient demain matin, là. Et ils font quoi avec la maison? Rien. Ils la vendent pas? Mais pourquoi ils font ça? Parce que ton père sera plus là pour payer sa moitié des dépenses. Mais là, on est encore là, nous autres, les enfants, là? Ouais. Et ta mère touche toujours son gros salaire à rien faire. Regarde, tu reviens pas encore là-dessus, là. Comment ça se passe, son départ à ton père? Correct. Je sais, moi, ça fait longtemps que j'ai coupé le cordon, là. Ingrid, je sais pas trop, mais ça a l'air correct, là. Mais je sais pas, c'est Fredo, là, c'est lui qui capote le plus, là. Faut m'en occuper, moi. Ouais, une bonne idée. Écoute, je vais être franc avec toi, là. Je pense que c'était une bonne idée que ton père aille voir ailleurs.
Un homme a besoin de se sentir un homme après ce qui s'est passé, mais là, je trouve qu'il va trop loin. C'est sa vie? Il y a une famille. Ça n'a pas de bon sens qu'il parte aussi longtemps. Je sais pas à quoi il pense. Sais-tu quoi? Ce serait une bonne idée que tu gardes ton opinion pour toi ce soir au souper. Ben oui, chérie. Non, mais des fois, c'est difficile que toi de... Va pas plus loin que ça, OK? Pas un petit blanc-bec comme toi qui va venir me faire la morale. Gars, je veux juste que notre dernier souper soit smooth. Il va l'être. Franchement, je suis pas si colon que ça. Je suis vive. Il est pas gêné, lui. Ton bras, comment ça va? J'en ai encore pour quelques jours. C'est juste ça. Sinon, c'est tough, hein? Pas mal, oui, mais... J'en mourrai pas, hein? J'espère bien. J'ai pas encore de nouvelles de la femme que j'ai frappée. Moi, j'en ai. Comment ça? Ben, j'ai pas chômé, j'ai fait ma petite enquête. Là. J'ai bien des chums qui travaillent à l'hôpital. Ça veut dire qu'elle est revenue à Granby? Mm-hmm. Depuis 3 jours. Aux soins intensifs? Non, en orthopédie, là, en rééducation. Ça veut dire qu'elle va mieux? Sûrement. Oh, enfin, une bonne nouvelle. Si t'allais rendre visite? Hey, tu fous. Mais là, je vais y aller avec toi, là, inquiète-toi pas. Hein? Non, ça n'a aucun bon sens. Non, non, moi, à ta place, je ferais quelque chose. Hein? Non, 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 je peux pas faire ça. C'est quoi, t'as mieux de me refondre ici, c'est ça? Je pense que j'ai appelé Fredo, hein? J'ai pas osé t'offrir de venir avec nous. Pourquoi? T'étais tellement fru un matin. On avait peur de se faire mordre. Franchement, t'as pas si pire que ça, là. Ah, je suis calmée, là. Non, mais viens-t'en de prendre. J'ai pas envie qu'ils partent avec le souvenir de moi que je suis une chippie. Ce sera pas facile, hein? Ah, t'es con! Ben non, ma princesse. Je peux te croire que je te verrai pas avant des mois. Ça va être correct. J'ai encore besoin de toi. Je vais être là. Je vais toujours être là. Théo? Ton médecin t'avait pas dit pas d'alcool? Ah, laisse faire l'alcool. J'ai quelque chose à te proposer. Ouais, vas-y. Est-ce que tu dirais de venir travailler à boutique avec moi? T'as un job à m'offrir? Ouais, comme caissier, temps partiel. Sérieux, là? Oh ouais. C'est sûr que ça ferait bien mon affaire, là, mais... Ouais, ça dépend des horaires. Bon, on va s'arranger avec les horaires. J'en reviens pas, là. Tu me donnes un job avec toi. Ah ouais, pourquoi pas? T'as pas peur qu'on se pogne? Et puis moi, ça a souvent fait des méchants scratchs. Ah non, t'as vieilli, t'es moins souvent sur le party, t'es capable de mettre de l'eau dans ton vin, là. Ça dépend pourquoi. Non, inquiète pas, si ça va pas, je suis capable de te remettre à la place. Wow, c'est super cool. OK, c'est un deal? T'es content. C'est quoi? De me faire confiance aussi, merci. OK. Et là, tu dis pas oui juste pour me faire plaisir, là. Ben, moi, je fais ça pour le cash, hein, pas pour te voir la face certain. Ah, tu m'as même pas parlé de ça. Ben, moi, moins de 25 pièces de l'heure, j'en mange. Ah, sacrément! Mais quand Jeff va apprendre ça, il en reviendra pas. Ouais, justement, j'aimerais ça que tu me laisses parler avant. Pourquoi? Mais parce que c'est ton frère, puis je veux pas qu'il se sente... Tout le monde le sait que ça a toujours été moi ton préféré. Là. Lui, il est adopté, de toute façon. T'es bien niaiseux, toi. Sacrément, t'es niaiseux. Oui, il est adopté. Ça se fout-tu, en entendu? Il est fin, pareil. C'est vrai. Pousse en avant. C'est bon. Allez, deux fois vers la droite, pouce 1 et 2, vers la gauche, une dernière fois, et on marche ici sur place, et on reprend le step-tap tout de suite. Ça fait passer le méchant! Vous êtes là? Je suis tellement fru, là! 4, encore 3, je tuerais quelqu'un! 2, double vers la droite, tu pousses! Ah voyons, fais ton rythme, on pourra pas suivre! Oh. En buvant en même temps! Oui, ça aide à faire mieux passer. OK, qu'est-ce qui se passe? Là? Tu bois jamais d'habitude. Mais là, il le faut. OK, donne-moi ça, là. Non. Tu vas en remplacer partout. Mais pourquoi on traîne pas ensemble, toutes les deux? Pour fêter quoi, exactement? Mon humiliation, Sacha. Oh, ça a pas bien été au pet shop? Le petit baveux, là, le petit gérant, la con. C'est que... Il a regardé mon CV, je bouffe 2 secondes, puis il m'a dit que... Mon expérience n'était pas suffisamment pertinente. Fait qu'il m'a planté là au milieu du magasin. Tu t'es pas fâché contre lui, j'espère? Ben non.
Non, non, je suis sortie piteuse comme si les chiens dans les cages. Pauvre maman. Bois un petit peu avec moi, ma puce. Ça fait combien de verres, là? Mais voyons, t'avais seulement deux bouteilles. Je viens d'ouvrir la deuxième. OK, ça suffit. Je vais... Ça suffit. OK, on a... OK. Mais veux-tu bien me dire pourquoi ça marche jamais? Mais tu devrais penser à baisser un peu tes critères, tu sais. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Mais chercher une job un peu plus... Quoi? Basse? Cheap? Plus accessible, disons. Oh. Ouais. Mais tu vois, je commence à plus trouver ça drôle pendant tout, là. L'orgueil de la madame est pas mal magané. J'espère qu'au moins tu vas pouvoir dormir un peu dans l'avion. Ouais. Non, c'est difficile de faire des nuits blanches comme ça. T'as passé large, hein? C'est un vol direct, là? Ouais. Bon, mais c'est déjà ça, hein? Correspondance en plein milieu de la nuit, là. Quand t'as fait des heures et des heures de voyage, j'ai dit que c'est pas drôle, là. Effectivement. On aurait dû inviter maman. Mais non, Fred, voyons. Je pense pas que c'est une bonne idée, Fred. Bon. Bon, c'est quand votre prochaine semaine de vacances, là, Fred puis Ingrid? Moi, à part Noël, c'est la relâche fin février. Moi aussi, même chose. OK. C'est décidé. À la relâche, on s'en va tous les quatre visiter votre père. Ah! C'est bien fun, ça! Cool, merci. Merci. Ben oui. J'organise tout. Je paye tout. Vous aurez juste à faire vos valises. T'es le meilleur grand-papa. C'est généreux de ta part. Ah, mais tant mieux. Ça va peut-être vous rendre de meilleure humeur. Non. Ah, ben, coudonc, c'est vrai. On n'est pas une soirée funéraire, là. C'est plus une job pour étudiant, tu comprends? Ouais, très bien. Hein, petit commis à caisse, ça, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un gros poste. Pas trop, hein? Ouais. Non, mais c'est parce que moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si je vais faire ça à Théo, c'est... C'est, en fait, ça veut pas dire là, que c'est pas... Arrête de mettre tes gants blancs longs comme ça, j'ai compris. Oui, oui, je sais, mais comprends-moi, là, ça t'exclut en rien, OK? Même que si jamais on réengage, moi, ça va me faire plaisir. Arrête! C'est parce que je veux tellement... tellement pas faire de trouble pis de jaloux avec ça, moi, là. Bon, plaçons tout de suite quelque chose, papa. Je sais pas trop ce que t'as été t'imaginer, mais moi, ça m'intéresse pas vraiment de travailler à ta boutique. Ah, non? Non. Ben non, je me cherche un travail dehors, pas enfermé dans un commerce. Ben oui, mais c'est une boutique de plein air, puis t'adores ça, pêche, toi. Pour en faire. Pas en vendre. Ah bon? Ouais, puis je voudrais pas t'insulter, mais ça serait pas évident de travailler pour toi. Comment ça? Ben, j'ai passé l'âge de me faire dire quoi faire par mon père, puis j'ai pas envie pantoute de vivre ce que Sacha a traversé. Ouais, t'exagères un peu quand même, là. C'est quasiment insultant, là. Non, non, ça marcherait pas, je le sais d'avance. Bon, si tout est correct d'abord, hein? Parfait. Pauvre petit pas, tout en truc, petit à petit, tu le sers pour rien. Ça va bien, ça va bien. C'est pas si bien que ça. Bon. Pardon, on cherche la chambre 301. Oui, juste à droite. Pour Madame Deveau? Oui. Ça tombe bien, j'ai terminé ses soins. Merci. Je vais t'attendre ici. OK. OK. Maman, t'aime tellement. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Quand je vais revenir à la maison, on va faire ça, je te le promets. Moi aussi, je t'aime. Bye-bye. Bye. Madame Deveau? Oui? Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez peut-être pas, je suis Hélène Bouchard. La conductrice de l'auto qui vous a... Je vous reconnais maintenant.
Je vous ai vu dans le journal. Je suis venue pour... C'est pas une bonne idée du tout. Partez tout de suite. Je voulais seulement vous dire à quel point je suis désolée. Désolée. Désolée, rien que ça. Seulement, je pouvais prendre votre place. Vous êtes dégrisée maintenant? Oui. Je suis venue prendre de vos nouvelles. Je suis paralysée, puis je vais le rester jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça, les nouvelles. Oh, mon Dieu, je vais élever mon fils en chaise roulante à cause de vous. Allez-vous-en tout de suite. Madame, je souhaite seulement qu'on vous mette en prison puis que votre vie soit brisée comme la mienne. Je ne peux plus vous revoir jamais. Sortez! Sortez! C'est pire que pire, Olivier. Maman. Elle va rester paralysée jusqu'à la fin de ses jours. C'est un accident, Guy. T'as jamais voulu ça? Non. Je suis responsable de toute cette merde-là. Ça, c'est bon. Fredo, tu peux aller voir sur ma table de chevet si ma clé USB n'est pas là? Ouais, tiens. Ah, c'est sympa, j'ai ta valise. Ah, c'est vraiment là tes amènes-tu? Non. Allô? Hey, tu l'as échappé belle? Comment ça? Ben, grand-père vient de partir, ça fait pas deux minutes. Ah oui, il était ici? Ouais, ben il est super avec nous. Et ton père fait ses derniers préparatifs. Fredo! Laisse faire, je l'ai trouvé ma clé USB. Ça me plaît aussi. OK. Allô? Allô? Je voulais pas laisser les enfants tout seuls cette nuit. Non, c'est beau, j'en ai plus pour longtemps. OK. Salut, maman! Allô? Je sais pas, tu veux dire? Hey. Fredo! Je pensais que tu venais juste demain? Oui, changer d'idée. OK, cool. Brian, fil de portable, chargeur, caméra, c'est... Oui, tantôt. C'est bon, c'est moi. C'est bon, c'est bon. Ouais, OK. Ça, c'est cool. Je te mets des piles, papa, pour ta caméra. Oui, dehors. Fait que, regarde, j'ai toute ta chambre, c'est clair, il n'y a plus rien. Tes vrais sont là. Qu'est-ce que t'as fait? Trop de stuff. Tiens, ça va te faire du bien. Merci, ma belle. Voudrais-tu de la glace aussi? Oh non, ça va aller, là. Je pense que mon mal de tête s'en va, là. Ça va aller. Oh. Pauvre maman. Est-ce que je vais finir par trouver? C'est sûr. Mais tout à coup, je réussis jamais. Mais voyons. Non, mais... C'est que je me rends compte que ça se pourrait que je sois pas capable de me faire une nouvelle vie. Mais c'est vrai, je te dis que... Maman... Non, mais c'est vrai, regarde, je suis mal partie, là, hein? Arrête de parler de ça, là. Repose-toi. Oui. Merci, Gavin. Oh, c'est beau. Oh. Attention, hein, les valises sont là.
Ben oui, ben oui, ben oui. C'est bon. C'est bon. Ouais, je vous rejoins. Je vous rejoins dans 2 minutes. D'accord. T'aurais pas dû revenir si vite. Il fallait. Ça rend juste les choses plus difficiles. Je voulais te voir. Je voulais que tu saches que... Quoi? Quand tu m'as pris dans tes bras, Sou... Quand tu m'as pris dans tes bras au chalet, j'ai compris que c'est là que je devais être. C'était pas mort. William, je t'aime. T'es l'homme de ma vie. Pars pas. Julie... Choisis-moi. Choisis-moi. T'as rien d'autre, là-bas? Ah, non, non. Pas, moi aussi, j'ai un salaire à te reconduire. Ah, ben là, ce serait bon, moi aussi, d'abord. Oh, on va commencer à manquer de place. Ça, c'est pas une limousine, celle-là, là. Puis si on s'assoit en arrière, on va être correct? Hein? Non, non, on fait comme on l'a dit, juste Brian. Tu avais dit qu'il ne ferait pas. On va bien, mon petit papa d'amour. Salut, pas. J'ai tellement m'ennuyé de toi, là. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai plus envie de partir. Il faut rester. C'est vrai. Putain. Oh oui. Pourvu que tu sois longtemps.